En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a destitué le conseil d'administration de la compagnie minière d'État GECA Mines, ainsi que son directeur général Albert Yuma. Albert Yuma, qui figure dans les dernières révélations de l'enquête Congo Hold Up, serait responsable de nombreuses malversations. À la tête de la GECA Mines, il aurait détourné 43 millions de dollars d'argent public sous le gouvernement de l'ancien président Joseph Kabila. Selon l'IGF, l'inspection des finances congolaises, la GECA Mines aurait versé un demi-milliard à une société écran au lieu de les verser au trésor public. La dite société Sud Oil, mise en lumière dans les dossiers du Congo Hold Up, appartiendrait à des membres de la famille Kabila. Pour l'instant, Albert Yuma conservera son rôle de superviseur de la réforme de l'exploitation minière à petite échelle. Toutefois, le président Tshisekedi a annoncé vendredi à la télévision nationale qu'il sera remplacé par Kaputo Kaloubi Alphonse, qu'il avait lui-même nommé au conseil d'administration de la GECA Mines il y a 3 ans. Vous êtes les communicateurs de l'IDPS ici au Nord Kivu. Nous vous recevons aujourd'hui pour analyser cette question parce que c'est une actualité qui a été longtemps attendue par les Congolais. C'est par rapport à cette nouvelle nomination du président Tshisekedi à la tête de la GECA Mines. Il faut préciser que M. Albert Yuma, qui est un proche de Kabila, qui a dirigé cette société minière pendant plusieurs années, il a été remplacé par un autre Congolais. Vous, personnellement, côté l'IDPS, comment avez-vous reçu cette information? Bon, d'emblée, vous savez que l'enseignant, la nouvelle mise en place des mandataires des entreprises publiques de l'État, le chef de l'État a martelé sur la moralité irréprochable afin d'avoir des personnes capables de matérialiser sa vision en répondant aux désirata du peuple. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, nous à l'IDPS, nous sommes très contents parce que le chef de l'État a voulu, n'est-ce pas, changer et amener de nouvelles figures qui peuvent gérer des entreprises publiques pour l'intérêt général de tous les peuples congolais. Et pour nous, le départ d'Albert Yuma à la tête de la GECA Mines, ça nous fait du plaisir, c'est une joie. Une réussite totale côté IDPS. C'est une réussite totale parce que ce sont des gens qui ont mis ces pays en moule. Ils ont géré la GECA Mines tout en boutiquant des choses d'une manière cavalière, en mettant l'argent du trésor public dans leur propre poche. Et aussi, il faut savoir qu'Albert Yuma est cité dans les rapports des Congo Hold Up. Il est cité dans ces histoires-là. Ce sont des gens qui ont pillé cette République pendant très très longtemps. Et donc, il était bien évident qu'on puisse remplacer Albert Yuma par une autre personne qui pourra gérer bien, n'est-ce pas, la GECA Mines. Ce sont des gens qui ne sont pas venus dans les affaires pour l'intérêt du peuple congolais, mais pour leurs propres intérêts. Imaginez-vous aujourd'hui, les minerais ont été gérés par des individus. Donc Joseph Kabila et Albert Yuma avaient mis, n'est-ce pas, tous les minéraux de la République dans leurs propres intérêts. C'est à l'intérêt donc, quand même du peuple congolais. Pas du tout. Ils ont pillé la République, ils ont détourné de l'argent, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait dans ce pays ici. Et aujourd'hui, son remplacement par une autre personne, c'est une chose que nous devons vraiment louer. Parce qu'aujourd'hui, la République du Congo est maintenant à mesure de gérer tous les minéraux. Donc c'est l'État maintenant qui a maintenant les contrôles de gérer tous les minéraux de la République. Par rapport aux autres qui géraient par rapport à leur propre poche. Un remplaçant de Yuma, mais c'est un proche de Tshisekedi aussi facile à manipuler. Hein? Non, je ne pense pas qu'il est proche de Tshisekedi. Le chef de l'État. Je crois que là, ce n'est pas un problème. L'essentiel est qu'on puisse avoir des gens capables qui peuvent bien gérer les entreprises publiques, qui peuvent bien gérer, n'est-ce pas, la GECA Mines au profit de tout le peuple congolais. Parce qu'il n'est pas aussi acceptable de voir
des Congolais de basse classe souffrir pendant tout ce temps, alors que certains individus, par rapport à leur rang social, ils mettent tout dans leur poche. Et là, ça ne donne pas quand même une bonne dignité par rapport à la gestion des entreprises publiques de l'État. Mais monsieur Kapila, vous dites que c'est une réussite totale. Donc c'est une fête côté l'IDPS, le départ de M. Albert Yuma. À quoi la présence vous gênez-vous surtout l'IDPS? Non, sa présence là ne gênait pas l'IDPS, mais ça gênait beaucoup plus l'ensemble du peuple congolais. Je me rappelle lorsqu'on a voulu toucher Albert Yuma, qui était à la tête de la Jecamine, je me rappelle que le secrétaire permanent du PPRD, M. Chadari, avait dit à son époque, il a lancé un message pour dire qu'on ne pouvait pas toucher Albert Yuma. Et que donc, si on touchait à Yuma, le pays serait en feu. C'est ce que Chadari disait à l'époque. Aujourd'hui, il a été déboulonné. C'est-à-dire, ça veut dire que. Et ils mettaient leurs gens là-bas, pas pour servir le peuple congolais, mais pour servir un clic d'individus qui étaient les PPRD. Et aujourd'hui, Albert Yuma est déboulonné, il est déboussolé par rapport à la gestion de la Jecamine mise à côté par le président de la République, chef de l'État, parce qu'on doit quand même arriver à changer de figure, parce qu'il est aussi inacceptable qu'on puisse voir les mêmes figures, les mêmes personnes qui reviennent dans les sorties publiques, comme si les Congolais, il n'y a pas d'autres Congolais qui peuvent donner, n'est-ce pas, leur capacité pour travailler là-bas. Donc c'est comme si les Congos étaient pris en otage par un clic d'individus. Et aujourd'hui, les changements que le chef de l'État est en train d'apporter dans ces pays, c'est une chose que les Congolais doivent, n'est-ce pas, accepter à bras ouverts. Oui. Augustin Kapila, vous venez également de l'évoquer à un certain moment. Il y a eu des tractions, disons, une fuite d'informations que Yuma allait être remplacé à l'époque. C'est en tout cas le président Tshisekedi a pris le pouvoir. Et du coup, il y a eu les proches de Kabila, comme les secrétaires M. Chadar et Emmanuel, lui qui a promis, qui a lancé un message en disant que si jamais Tshisekedi remplaçait Yuma, le pays allait s'arrêter. Mais aujourd'hui, tout tourne bien malgré son remplacement. Pour vous, c'est quel message que Tshisekedi veut lancer aux Congolais, surtout en remplaçant Yuma Pluton? Vous savez que M. Chadari voulait seulement intimider les Congolais, intimider le nouveau gouvernement en disant que si on touche à Yuma, les Congos seraient en feu. C'était une réalité parce que... Aujourd'hui, les Congos n'est pas en feu, comme disait encore Chadari. Ça a pris du temps, il fallait des années encore. Il y avait des négociations. Malgré le temps, Yuma n'est plus à la tête de la Jecamine. Pour nous, c'est une satisfaction totale. Et le chef de l'État, le message qu'il veut lancer à tous les peuples congolais, c'est dire que on ne peut pas donner ce pays seulement à un clic d'individus, comme si certains individus voulaient prendre le pays en otage. Et que donc tout Congolais, qu'il soit partout là où il est, avec sa capacité, peut aussi gérer une entreprise publique, n'importe quel Congolais. Parce que la République appartient à tout le monde. Ce pays n'appartient pas à un clic d'individus, mais ce pays appartient, n'est-ce pas, à tout le peuple congolais. C'est un message fort venant du président de la République. Mais selon vous, pourquoi le remplacement de Yuma a traîné? C'est parce qu'il était cet homme-là fort et intouchable avec le soutien déjà du FCC? Non, ça n'a pas traîné comme tel. De 2 à 3 ans. Moi, je dirais plutôt que c'était une stratégie de la part du président de la République. Il voulait d'abord comprendre et avoir une bonne méthode de pouvoir remplacer Yuma là-bas. Il faisait toujours peur. Hein? On pensait que Yuma il serait là éternellement comme chef de la Jecamine. Et que donc aujourd'hui, il n'a pas rêvé qu'un jour, il serait remplacé par une autre personne. Parce que tout justement, parce que le pouvoir de M. Kabila avait pris des entreprises en otage, pensant que ce sont les mêmes personnes qui devaient revenir à tout moment. Alors que ce n'est pas comme ça. Et le remplaçant de Yuma, ça veut dire que le chef de l'État a voulu donner un message clair au peuple congolais que
tout Congolais, toute personne peut être capable de gérer des entreprises publiques et non seulement inclure l'individu qui a fait très longtemps dans des affaires de l'État. Mais une question que la population se pose, Monsieur Kapila, certes, vous pouvez y apporter aussi une réponse. On sait que dans l'arrêté, disons dans la communication qui a été liée à la RTNC par rapport à toutes ces nominations, ce n'est pas seulement la Jekamine qui a été touchée, on a vu côté aussi des GDA, mais pourquoi ce remplacement de Yuma qui fait trop de bruit, même en suivant la presse internationale, c'est un sujet qui est toujours à la ligne. Pourquoi seulement ce départ de Yuma qui suscite trop de bruit dans les pays et à l'étranger? Le chef de l'État, n'est-ce pas, en nommant les mandataires des entreprises publiques dans ses prérogatives reconnues par la Constitution de la République, c'est évident qu'il puisse remplacer les anciens mandataires par les nouveaux mandataires des entreprises publiques. Et pourquoi est-ce que les problèmes de Yuma touchent beaucoup? Parce que les gens en parlent partout ailleurs. Ça veut dire que Yuma était considéré comme un bras droit du PPRD, un bras droit de Joseph Kabila Kabange, qu'on ne pouvait pas toucher. Qu'on ne pouvait pas toucher parce que la Jekamine, c'est quand même les poumons économiques de la République démocratique du Congo. Alors, donc tout l'espoir des gens du PPRD et de M. Kabila était reposé sur la personne de l'Albert Yuma, qu'on ne pouvait pas toucher, qu'on ne pouvait pas remplacer. Parce que voyant leurs intérêts étaient mis sur la tête d'Albert Yuma. Et surtout qu'Albert Yuma est cité dans des histoires de détournement de l'argent de l'État, que Congol DAP a donné des révélations qui ont quand même donné, qui ont n'est-ce pas, suscité beaucoup de révélations également. Révélations dans la République, parce que Yuma est cité dans ces affaires-là. Donc, il ne pouvait plus être gardé, n'est-ce pas, à la tête de la Jekamine. Et aussi, j'apprends que Yuma est... Il y a une société qu'on appelle Egal. Alors, les révélations comme ça, ça veut dire que Yuma n'était pas quelqu'un qu'on pouvait garder à la tête de Jekamine. Oui, il était très très évident de le faire remplacer par une autre personne. Oui. Parce qu'il se croyait un homme intouchable, un homme très fort, bras droit de Kabila, bras droit du PPRD, que les chefs d'État actuels ne pouvaient pas toucher. Aujourd'hui, il n'est plus là-bas pour nous, pour tous les peuples congolais. C'est une satisfaction totale. Oui, vous l'avez dit, Yuma cité bien sûr dans plusieurs rapports, notamment cette enquête qui suscite toujours des polémiques au pays, l'enquête de ces médias internationaux ainsi que des organisations intitulées Congo Hold Up. Mais Monsieur Yuma, selon vous, parce que ce sont des révélations, mais parfois les pouvoirs en place, là je vois le commandant suprême, le chef de l'État, il ne réagit toujours pas. Selon vous, qu'est-ce que le chef de l'État ou bien la justice congolaise attend pour réagir par rapport à toutes ces révélations faites de détournement? Je crois qu'à mon avis, le président de la République, face à cette situation, il ne peut pas aussi réagir plus vite. Il est en train d'écouter, il est en train d'observer comme tout le monde. Ce sont des révélations très très graves. Et nous avons l'impression que dans ces pays, M. Kabila Kabange et les autres étaient venus dans ces pays pour piller la République. Mais quand même, il a servi les peuples congolais, monsieur Guitin. Ils ne sont pas venus pour aider la République à aller de l'avant, mais ils sont venus avec l'idée de mettre à moule l'économie de la République. C'est quand même inacceptable que le gouvernement congolais à l'époque puisse braquer des banques. C'est inacceptable parce que tout l'argent des travaux publics a été pillé par M. Kabila avec ses acolytes, dont les Albert Yuma et les autres. Et le président de la République, face à cette situation, il est en train d'écouter comme tout le monde. Ce n'est pas lui qui doit prendre la décision finale. Nous écoutons tous, toutes les révélations faites par Congo Hold Up, nous sommes en train d'écouter. Et le chef de l'État, à un moment donné, n'est-ce pas, il dira un mot sur ça. Mais entre-temps, nous laissons à ce que le Congo Hold Up et les autres puissent continuer à faire des révélations et des révélations. Parce que on est en train de... Nous sommes en train de découvrir... Certains, ce sont des enquêtes manipulées. Ce ne sont pas des enquêtes manipulées, c'est ceux qui disent comme ça tout simplement, ce sont des gens qui sont à mal de positionnement, qui n'aiment pas les chefs de l'État, qui sont anti-régime.
qui peuvent, n'est-ce pas, soutenir tout ça. Mais un Congolais averti ne peut pas aujourd'hui accepter que la République puisse être pillée par des ennemis de la République. Parce que tout ce que Congo Hold Up est en train de donner comme révélation, c'est trop, trop grave. Nous avions crié tout le temps, pendant toutes ces années, que les militaires ne touchaient pas de l'argent, les policiers, les uns et les autres, alors que M. Kabila avait, avec toute sa bande mafieuse, détourner l'argent du trésor public dans leur propre poche. Mais la situation, monsieur Kabila, que les Congolais ne peuvent pas accepter aujourd'hui. Monsieur Kabila, la situation reste la même malgré l'arrivée du président Tshisekedi. Les militaires sont toujours dans des conditions qui restent à désirer, ainsi que les policiers. Non, je ne crois pas. Je crois pas parce qu'aujourd'hui, quand même, un militaire, un policier, un enseignant, disons tout le enseignant qui n'enseigne plus aujourd'hui dans la rue, tous les fonctionnaires de l'État, je crois que si vous pouvez faire une petite comparaison entre les régimes sortants et les régimes actuels, il y a une différence. Aujourd'hui, il y a quand même sur quel plan par exemple quand même une petite vie qui est déjà améliorée par rapport aux enseignants, aux militaires et aux policiers. C'est logique ça, c'est quand même les choses que les Congolais peuvent quand même accepter. Nous tendons vers la fin de cet entretien, comme le sujet c'est sur le départ de M. Albert Yuma, M. Augustin Kapila, vous savez que malgré cette sortie à la tête de la GECAMINE, M. Albert Yuma reste un élément important, un homme influent, un gros poisson, voilà, dans ce pays, ça, parce que vous savez, il est toujours à la tête d'une grande organisation, la FEC, vous savez, c'est pour des grands millionnaires de ce pays, c'est-à-dire, il a encore ce pouvoir-là de manipuler tout ce qu'il peut être à mesure de faire, M. Kapila. Je crois que, mon cher ami, le temps de manipuler les Congolais, le temps de corrompre les gens, c'est révolu. Avec l'arrivée à la tête du pays du président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, nous osons croire que les choses s'améliorent petit à petit. Et la justice que nous avons, c'est une justice purement indépendante et personne n'a aujourd'hui le pouvoir ou le droit de chercher à corrompre la justice ou à mettre dans ses propres poches des gens qui peuvent mener des enquêtes. Aujourd'hui, nous avons un changement total par rapport à la justice. Et donc, Albert Yuma, bien sûr qu'il est à la tête d'une grande organisation, il peut avoir de l'argent. Et que là, c'est de l'argent. Et qu'il peut corrompre, je ne sais pas qui. Mais avec les révélations faites par Congo Hold Up, nous pensons que cette fois-ci, Albert Yuma doit répondre devant la justice. Vous souhaitez l'arrestation? Nous souhaitons tout simplement l'arrestation de ces messieurs qui se croyaient un homme fort, qui se croyaient un... Il reste toujours fort. ...de M. Kabila. Je crois maintenant il sera mis aux arrêts. Et la justice pourra aider les Congolais pour que nous puissions récupérer tout l'argent que ces gens ont pillé dans notre pays. Qu'est-ce qui explique cet échec du côté président Tshisekedi, parce qu'il n'a pas pu, il n'a pas réussi à déboulonner Yuma à la tête de la FEC malgré les élections, on a suivi ce qui s'était passé, mais il reste là comme un homme fort. C'est un échec côté de votre pouvoir, votre régime. Non, ce n'est pas un échec. Moi, je crois, à mon avis, que le chef de l'État, c'est un homme réfléchi. C'est un homme qui a la maturité politique. Ce n'est pas un cadeau qu'il donne à Yuma. Je crois que c'est un homme qui a la maturité politique. Il est en train de réfléchir mille fois. Parce que il est en train d'aller mollo, petit à petit, à déboulonner le système de prédation qui a été instauré dans notre pays, ça fait des années et des années. Et nous y arrivons petit à petit. Et si les gens pensent qu'ils doivent défier le président de la République, défier le gouvernement actuel, je pense qu'ils sont en train de taper à côté. Le président de la République, pas à pas, petit à petit, il est en train de déboulonner tout système mafieux dans le pays. Merci beaucoup. Nous y arriverons. D'accord. Et pour finir avec cet entretien, on ne peut pas, en tout cas, le conclure sans pas avoir fait un clé d'œil à ce qui se passe dans le Nord Kivu et l'Ituri. Vous savez qu'il y a peu qu'on a assisté à l'entrée des Ougandais
des militaires ougandais qui sont aujourd'hui sur les sols congolais pour combattre les ADF. Et comme résultat, c'est quelque chose qui est salué sur le terrain. Un mot par rapport à nos militaires qui font un travail, bien sûr, en appui avec les Ougandais. Nous avons une armée très forte, une armée disciplinée, une armée bien formée, équipée par le gouvernement congolais et soutenue beaucoup plus par les commandants suprêmes des forces armées, le président de la République, chef de l'État. Et un mot que je peux lancer à nos militaires, c'est de travailler en collaboration parfaite avec l'armée ougandaise. Malgré les contestations de certains Congolais. Oui, bien sûr, là ça ne manque pas. Mais si vous posez la question, il y a 90% des Congolais qui soutiennent cette opération. Sur ces Congolais. Cette opération mixte, cette opération conjointe entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise, c'est avec un objectif de mettre fin à toutes ces violences qui ont perduré à l'Est République. Se soutenir seulement par l'IDPS. Non, le peuple congolais soutient cette opération conjointe. Les députés nationaux et les députés et du Nord Kivu soutiennent cette opération conjointe. Parce que d'abord, ce sont eux qui ont proposé au chef de l'État cette proposition qui est aujourd'hui en train d'être pratiquée par les deux forces armées. Je crois que c'est pour l'objectif de mettre fin totalement et définitivement avec les violences qui se passent à l'Est République du Congo. Aujourd'hui, presque tous les Congolais qui acceptent cette proposition et nous ne pouvons qu'accepter et soutenir nos forces armées de travailler en connivence avec l'armée ougandaise. Malgré les difficultés qu'il y aura parce que les Ougandais parlent beaucoup plus l'anglais et les Congolais parlent beaucoup plus français, je crois qu'il y aura quand même des mécanismes de collaboration qui pourront amener des résultats escomptés pour qu'on puisse arriver au moins à remettre la paix à l'Est République du Congo. Merci beaucoup, Augusté Kapila. Je rappelle que vous êtes le communicateur de l'IDPS Tshisekedi, pas Tshibalani, c'est ça? Ah non, je suis le communicateur et membre effectif du parti politique IDPS Tshisekedi, au Nord Kivu. Parti présidentiel. Et parti présidentiel, voilà. Merci pour cet entretien. Merci, moi qui vous remercie. Voilà.